Hello guys, welcome to another vlog. J'espère que vous allez bien. Vous allez me dire pourquoi tu montes pas ta tête, parce que je viens de me réveiller. Parce que j'ai cassé tous mes verres pour mon café, du coup j'ai acheté ces verres. Bon, en même temps, les autres verres sont pas solides. Hein. J'ai acheté ces verres là à Carrefour. Oui, les autres ils étaient trop fins. Ils sont tous. Ils sont grave beaux. Faut que je commande des pailles sur Amazon. Ça te dit pas qu'on va à Kia? C'est ce que je voulais faire aujourd'hui parce que là je filme ce vlog. Ah. Je vais refaire ma chambre. J'ai des jeunes. J'ai fini mon devoir parce que j'ai un devoir à rendre. Et ensuite, on va à Kia. Je vais acheter des draps et tout et on va refaire ma chambre. Je vais prendre un petit cup. J'avais fait des pancakes à la banane. Mais je crois que je vais me faire un shaker de protéines parce qu'hier j'en ai pas pris. Et hier, je suis repartie à la salle après 2 semaines. J'ai tellement bien dormi après la salle. J'allais te dire. Tu sais, quand tu sens ton corps épuisé, mais c'est la bonne fatigue. Ça faisait trop longtemps. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas ressenti cette sensation. Oh oui, chouchou. Voilà, on est très flou ce matin. Que j'ai reçu, enfin c'est un scanner en fait, et on va tester ensemble pour voir comment ça fonctionne et tout. Je vais vous montrer, je vais le brancher à mon ordinateur. Du coup, juste avant de commencer cette vidéo, je vous parle de ce produit que j'ai reçu de la marque Césure. C'est un scanner qui fait aussi webcam. Alors je vous explique un peu parce que ça peut être compliqué à comprendre, pourtant c'est super simple d'utilisation. En fait, tu as un petit trépied comme ça et au bout il y a une caméra avec plusieurs boutons voilà, qui permettent de faire des réglages. Aussi, ça peut vous servir de lampe torche. Moi je l'utilise de petite lumière le soir, etc. Et c'est surtout un scanner, donc en fait ça peut scanner des livres, des pages entières en une rapidité vraiment. Donc si vous avez des gros documents par exemple à scanner, si vous utilisez beaucoup de scanners, ça peut être vraiment une bonne alternative. Et en sachant que la qualité elle est vraiment super bien, ça scanne, ça détecte directement le document. Et ça peut vous servir aussi de webcam, donc il suffit juste de le brancher à votre ordinateur et vous pouvez filmer avec. Et ce qui est bien, c'est que c'est amovible, vraiment ça se grandit, ça se rétrécit, ça se tourne dans tous les sens. En fait, vous pouvez même faire des live streams avec, faire des réunions sur Zoom par exemple si vous voulez vous montrer un produit ou quoi. Du coup, je vais vous montrer comment je l'utilise sur mon ordi portable. Donc là, je vais juste le brancher ici. Là, comme vous pouvez le voir, la lumière s'est allumée. En fait, il faut juste installer le logiciel sur l'ordinateur, donc il est juste là, il s'appelle Césure. Autoriser la caméra et là vous avez votre webcam, comme vous pouvez voir on est en train de voir ce que je fais. Donc je vais vous montrer par exemple. Donc là c'est le petit support qu'on a pour pouvoir mettre des documents et les scanner. Regardez, là je suis en train de tourner ça et ça permet de tourner ce qu'il y a à l'écran aussi. Du coup vous avez le support pour pouvoir scanner des documents. Je vais mettre dans ce sens là, je le place ici par exemple. Là donc c'est ma chambre que vous voyez sur l'écran et je peux tourner la caméra comme je veux. Donc par exemple quand vous faites un live, quand vous filmez quelque chose, vous pouvez faire ça en même temps. Comme ça, là on est bon. Du coup voilà, c'est super pratique si vous voulez montrer des documents et tout. Pendant par exemple, je sais pas, un zoom ou un truc comme ça. Donc pour scanner des documents, je vais vous montrer, c'est tout aussi simple. Je me mets sur le support noir. Donc on va prendre un document, n'importe lequel. Là, je prends une enveloppe. Donc là, je la mets ici. Numérisation pour pouvoir scanner. Et comme vous pouvez le voir, ça capte direct le document. Donc ça recadre tout seul en fait. Voilà, donc là, je mets scanner. Là, du coup, mon document, il est scanné. Je vais juste dans la liste des fichiers. Je retrouve le document que je viens de scanner. Donc ce qui est bien, c'est que tous les documents que vous allez scanner, ils seront déjà répertoriés ici. Vous pouvez même, par exemple, lire un livre et en même temps montrer ce que vous lisez. Par exemple, pour les profs, ça c'est super utile, ou pour les gens qui ont cours comme moi. Donc là, par exemple, voilà, vous êtes en webcam, ça c'est votre webcam, et vous lisez le document et vous montrez ce que vous lisez, etc. Je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Et je vous fais plein de gros bisous. Les gars, il est actuellement 11h, je me suis levée tard. En même temps, ça fait tellement du bien parce que je me levais à 6h tous les matins avec les révisions. J'ai acheté du pain complet, donc je vais le faire griller. Et j'ai pas d'avocat, donc pas d'avocat au toast aujourd'hui. Griller ça déjà. Ça fait super longtemps que j'ai pas d'avocat. Ça fait 20 ans que je vais dans les magasins pour acheter de l'avocat, mais les avocats, ils sont jamais bien, ils sont toujours très durs. Et je crois que c'est pas... C'est très simple. Je vais montrer comment je faisais la dernière fois. Je vais mettre une cup de whey et je mets du lait d'avoine du coup parce que là il me reste que du lait d'avoine. Donc voilà, on va partir sur ça. En fait, il faut que je me dépêche parce qu'il est 13h. Il est 13h depuis tout à l'heure, je suis sur mon téléphone en train de faire des TikTok, mais il est 13h
Et j'ai toujours pas commencé mes devoirs. Et je dois sortir à 15-16 heures pour faire les magasins Ikea machin. Et je dois rentrer, je dois ranger ma chambre. Et ensuite, je voulais trop aller à la salle ce soir. Donc, je sais si je réponds. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que je mets à vue d'œil, je trouve que ça fait exactement la taille de mes verres comme ça. Ceux-là, ils viennent déjà à l'express, par contre, ils sont archi fragiles. Comme la paille d'ailleurs, tu la fais tomber, elle se casse quoi. Enfin, c'est pour ça que je dois acheter des nouvelles pailles en acier, pas en verre en fait. Le verre, c'est vraiment. En train de m'habiller. Du coup, là je mets mon. Oula, l'éclairage est horrible. Hein. Je suis pas aussi moche en vrai. J'ai retrouvé cet ancien crayon à lèvres que j'avais. Il est trop beau. Bah, c'est le Sowar. En fait, je me rappelle, je l'avais acheté à l'époque où j'étais fan de Kylie Jenner. À l'époque, Kylie Jenner, elle avait pas encore fait sa chirurgie, genre. Et elle mettait toujours ce crayon là, genre. Et tout le monde l'achetait à l'époque. Bref. J'ai mis une veste en cuir. En fait, je voulais mettre un top blanc, mais vas-y. Tous les tops blancs que j'ai, ils sont transparents. Je suis obligée de mettre un truc en dessous, ça m'a saoulé. Avec une veste en cuir vintage que j'ai eu en fripe. Un jean oversize. Fashion Nova, en dessous j'ai mis mon short Lucky Me. Il est trop pratique ce short parce qu'en fait, genre avec les tailles basses, c'est trop pratique, tu vois. J'ai travaillé un peu mais j'ai pas fini. Il y a un devoir que j'ai pas terminé, j'en peux plus, ça me saoule d'avoir tout le temps des trucs à faire. J'ai envie de finir ce putain de devoir. Parce qu'en fait, après j'ai une semaine de vacances. Et j'ai envie que cette semaine de vacances, ça soit une vraie semaine de vacances sans avoir des trucs à faire dans ma tête. Donc voilà. Du coup, je pense que je vais mettre ce petit sac Coach. Très cute. I think that's cute. Je sors, on se retrouve dehors. Regardez mon petit collier, il est beau. Ma mère m'a aidé à emballer les colis, mais là il est déjà tard. On est toujours pas sorti. Et je m'aide. Voilà. Voilà, les chemises derrière. Plus en hi guys. Aujourd'hui on est le lendemain en fait parce que la dernière fois on n'est pas parti à Ikea du coup. Bref, donc là je suis avec ma maman et ma petite soeur. Je vais vous montrer mon outfit of the day. Voilà. De toute façon je vais faire une photo Instagram normalement. L'objectif c'est de trouver des draps blancs. Je déteste à chaque fois ma chaussette retombe. Ces petits bols ils sont trop cute. Oh, j'ai les dents blanches. Les gars, on est sortis d'IKEA, là on est venu au centre commercial. Regardez, j'ai pris un café et ma petite soeur Manel, elle a pris un chocolat. Du coup guys, on va goûter. C'est très délicieuse. Du coup j'ai acheté des petits trucs à IKEA, je vous montre à la maison dès que je rentre. Ah non, c'est trop bon. Mon régime. Ah oui, j'ai pris des photos, je les ai postées sur, je suis en train de les poster sur Instagram. Salut les gars, donc je me suis réveillée et ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais, en fait j'ai acheté ces petits rasoirs de visage là. Et je vais refaire mes sourcils tout seul. Alors d'habitude je les fais toujours au fil chez une, enfin, chez une indienne et tout, sauf que là, elle les fait super bien et tout, sauf que là j'ai un peu la flemme. Et quand elle, en fait des fois ça me saoule parce que quand elle me fait mes sourcils, elle m'écrase tout le visage, genre, enfin je sais pas comment dire, elle met ses mains comme ça sur la tête et tout, bref. Là j'avais la flemme et vu que j'ai ça, je me suis dit je vais faire mes sourcils avec et avec la pince à épiler. Et je veux me décolorer les baby hair, enfin les baby hair. Enfin c'est même pas des hairs en fait, c'est, vous voyez les petits... Bref, donc là je veux mixer ça, je les achète à Carrefour, c'est le blond d'épile. Tu le mélanges en fait, c'est un gel décolorant que tu peux utiliser sur ton corps. Sur différentes parties, des fois tu peux même décolorer tes bras si t'as pas envie de les épiler, avant je faisais ça. Donc voilà, je vais faire ça du coup. Oh ils sont trop beaux. Je hurle, moi qui mets des masques pour l'esthétique. Regardez, j'adore le concept. Guys,
Je suis à Gare de Lyon, j'arrive dans 15 minutes. Je dois marcher 15 minutes, wesh. She's a... En fait, faut pas retoucher les mèches qui ont été touchées. Que mes cheveux soient analytiques. Il faut que les cheveux longs et tout, mais là, je sais pas et si là, le projet y va. Il fallait que soit... ouais. D'ici septembre, de toute façon, ils auront pas pris plus de 10 cm. Je pense que si tu veux vraiment des cheveux longs de ouf. Après, moi, je trouve qu'ils sont déjà pas mal longs et qu'on fait d'accord. Tu le vois dans le. C'est ça. Allez. Tu connais une fiançoise Yasmine Zorro que je crois Ouais, je crois que je vois. Et elle, on s'est côté. Enfin, j'ai rien qui vient en France, il y a des années, elle était comme des trucs à côté. J'ai oublié mon parapluie et il pleut là. Là je pense que je vais aller dans le premier café que je trouve. Parce que j'ai ramené mon ordi et tout, comme ça je fais mon montage avant de rentrer. Et en même temps je vais prendre un Uber pour rentrer je crois, parce que j'ai la flemme de prendre le train. Mais j'aime trop, ça fait longtemps que je m'étais pas lavé les cheveux lâchés. Et j'ai mis des strass sur mes gouttières en fait. Voilà. Ryan. J'arrive même pas à avancer, comme là il y a des trucs, je vais vous mettre un petit peu plus. J'ai des cartons ici, je vais les vider. En fait, je pense que je vais tout enlever de ce qu'il y a là. Je sais pas par où commencer. Je pense que je vais, en fait, je vais faire un par un. Donc là, je vais enlever ça, je vais mettre sur mon lit, je vais les plier et les remettre, mais genre bien en mode organisé et tout. Et tout ce qui est par terre, je le remonterai après. Genre d'abord, il faut que je range vraiment pour me faire de la place au maximum. Et bien sûr, je vais vider, je vais essayer d'enlever le maximum de vêtements et de les mettre sur Vinted, donc nourriture tirée du bas, JFL. Je vous ai même pas montré tout ce que j'ai acheté à Ikea. Je sais pas si je vous ai montré, mais bref, tout à l'heure je vais changer de façon ma chambre, donc je vous filmerai. On va acheter des coussins et tout, bref. Ça, c'est mes affaires de sport, donc on va réorganiser ça et je vais voir si je garde tout ou si je donne. Enfin, je donne, non. Si je vends des trucs. D'ailleurs, il y a des trucs que j'avais gardés. Des trucs que j'avais gardés vraiment pour vendre, je les avais mis dans un coin. Tout ce qui est jupe et affaires de sport. Donc je vais faire une pile, genre les bas de sport. Faites pas attention à ma tenue. Une pile pour les bas de sport et je vais essayer de la faire la plus fine possible pour rentrer genre le maximum de vêtements. Franchement ça va me faire trop du bien de ranger parce que j'avais tellement de choses et c'est tellement pas rangé que du coup je mets toujours la même chose et j'ai l'impression que j'ai pas d'habits donc je rachète des trucs alors que je les ai déjà. Guys, j'ai bientôt fini un côté. Là, c'est toutes les affaires que je vais mettre sur Vinted. Regardez toute la pile. Il faut que je finisse vraiment tout ça.